Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soir cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir pêcher le poisson Midas. Parce qu'en fait, il vient d'être pêché par plusieurs personnes, même des Français, des Américains et tout ça. Donc voilà, moi je vais pas vous montrer leur gameplay pour cause de copyright, hein, pour pas me faire striker ma chaîne, enfin bref. Donc le poisson, ce sera le numéro 40e et le poisson est pêchable complètement partout. Vous ne devez pas avoir une pêche spéciale pour le pêcher. Vous pouvez avoir n'importe quelle pêche, canne à pêche. Vous pouvez le pêcher n'importe où. Et quand vous le pêchez et que vous l'utilisez, eh ben ça vous met carrément tous vos inventaires, donc tout votre stuff en or. Si bien sûr il y a une variante or, par exemple si vous prenez un petit gun et que vous mangez le poisson Midas, vous n'aurez pas de variante en or du pistolet parce que tout simplement il n'y en a pas. Par contre si vous avez des pompes chasse, des mitraillettes et tout ça qui peuvent se mettre en or, là elles se mettront en or. Et en plus de ça, si vous n'avez aucune arme sur vous et que vous utilisez, même si vous avez 2-3 armes, mais que vous utilisez le poisson Midas, il vous remplace, le poisson Midas se transforme en AK, donc non pas en AK, en Scar en or, voilà tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était juste pour vous prévenir que il était pêchable partout, sans canne à pêche en or, et que normalement il est assez facile à trouver parce qu'il a un taux de spawn de 1%, donc voilà, il est plus super rare à trouver, il est assez rapide, assez facile à trouver. Alors je ne sais pas s'il faut, je pense que vous n'êtes même pas obligé de remplir tout votre inventaire pour le pêcher, donc voilà, ça c'est assez cool. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec, et ciao, peace.